Stéphanois pour l'instant rentrent tout doucement dans leur match avec une accélération de Mainfroid. Mainfroid qui veut se racheter de son but contre son camp vendredi soir. Mainfroid un relais, il rentre dans la surface, maintenant ça fonctionnait, il essaye de centrer en retrait et il n'obtiendra même pas le. C'est fort fourni vendredi soir pour battre le Paris FC en terminant le match pendant une demi-heure à 10 contre 11. Toujours est-il que les Amiénois sont en danger avec une frappe, maintenant au ras du poteau, stoppé par deux défenseurs adverses, c'est retourné vers l'arbitre, pas de coup franc dit monsieur Kievreux. L'action d'Amiens se poursuit de l'autre côté du terrain, côté gauche, maintenant avec un centre de Pouille, tête de. En tout cas, le dégagement maintenant des joueurs du Red Star. Attention, il n'y a pas de situation de hors-jeu. Avec la montée là de Tulane, le tir au ras du poteau, ça passe à côté. Le terrain est très lourd, hein, donc ça va être très dur à gérer la fatigue. Allez, Kodja qui lance Sierravino, débordement, le centre de Sierravino, ça c'est une possibilité, la reprise. Oh, quel but! Oh, quel but du Marpou! Sur le côté gauche en direction de Kodja, bien joué la passe de l'extérieur du pied droit de la part de Sierravino pour Kodja, complètement sur le côté gauche, il se débarrasse d'un adversaire, maintenant ils sont dans la surface. Oh, malheureusement une deux qui n'était pas fatale pour Mainfroid. Du coup le Red Star revient dans le camp amiénois. Maintenant attention à la fond, l'ouverture pour Jumeau qui rentre dans la surface, c'est une balle d'égalisation pour le Red Star, le tir et la prise de balle en deux temps de la part de Franck. Pouille lance à droite, l'appel de Kodja est à gauche, mais le ballon est récupéré par Joël Paul, va-t-il retirer, il tire encore, c'est au-dessus mais ça se rapproche du cadre. Loïc Puyot. Loïc Puyot lève la tête. Petit ballon piqué. Il a vu la montée de Yelch. Yelch dans la surface côté gauche. Le centre à rater. La reprise à côté de Kodja. C'était magnifique. C'était une balle de 2-0.